Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation donc du kit planner de mars 2018 du site Dans mes pochettes. Donc Perrine, la créatrice du site, a décidé de faire des kits donc de planner mensuels. Alors donc je vais l'ouvrir et puis on va voir ensemble ce qu'il contient. Alors, pour information, donc le kit est au prix de 24,95 €. Alors, vous allez voir qu'il y a vraiment plein de choses dedans. Je cache. Donc, on a un petit mot personnalisé. Donc, moi, j'ai la chance de faire partie de l'équipe créative du site. Donc, du coup, je reçois ce kit et je vous montrerai, comme tous les mois, les petites créations que je fais avec ces jolies choses. Alors, hop, je vais cacher. Alors, donc là, nous avons... Je vais faire le focus. Voilà, nous avons un superbe washi. Donc, les ateliers de Karine se mettent au vert. Donc, voici pour ce joli washi. Regardez. C'est super mignon. Ce petit oiseau là. Hop. Est-ce que ça va me faire le focus? Focus. Ouais. Regardez. Trop mignon. J'adore. Et les couleurs, ça fait du bien. Parce que là, j'ai envie de soleil. J'ai envie de fleurs, de printemps, de tout ça. Donc ensuite, on a une petite planche de tampon clear de chez Swill Carl. Effet un petit peu ornement végétal. Il est vraiment trop joli. Moi, j'aime beaucoup. Souvent, je fais à la main ces motifs-là. Et j'aime bien ce style. Ensuite, nous avons trois trombones. Donc ça, c'est de la collection Turn the Page de chez Pink Paisley. Donc, vous allez voir, ils sont superbes. Je vais les enlever du support. Regardez, c'est trop mignon. Ça fait comme des petits fanions, on les glisse comme ça. J'adore. C'est trop beau, les couleurs sont trop jolies. Il y a du gold. C'est vraiment trop beau. Hop. Donc ensuite, nous avons une planche d'étiquette jaune. Donc ça, c'est de la marque Ephemeria. Voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il y en a 14 et c'est en dégradé de jaune. Ensuite, nous avons cette planche de stickers Mambi. Voilà, Me and My Big Ideas. Donc là, c'est sympa parce que, vous voyez, c'est vraiment sur le thème maman. Donc j'adore, ça me correspond bien. Vous voyez, Motherhood. Fueled by coffee, powered by love. Donc c'est tout à fait ça. D'ailleurs, j'ai pas encore pris mon café. Il va falloir que j'aille prendre mon café. Mais franchement, j'adore. Donc on a du gold. Et on est dans ces petites couleurs printanières. J'adore, c'est trop sympa ça. Je connaissais pas ces stickers là. Vous voyez, je regarde pas trop les stickers de chez Mambi. Et là, bonne découverte sur ce produit. J'aime beaucoup. Ensuite, on a une planche de mots de chez Swill Carl. Donc ça, c'est les étiquettes Primavera. Vous voyez, on a des mots. Donc c'est à découper et à mettre par-ci par-là dans vos planeurs. Donc encore une fois, on est dans des couleurs, voilà, joyeuses, printanières. Top. Donc on a au niveau des papiers, on a un papier cristal en triangle rose. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, de chez Swill Carl. Donc moi j'adore ces papiers en donc cristal, hein, en acétate en fait. C'est un peu plastifié pour faire des couvertures de planeur ou de TN en transparence et jouer derrière avec un fond. J'aime beaucoup. Je vais le mettre où? Bon, c'est transparent, je vais le mettre là.
Ensuite, on a un assortiment de die cuts. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Regardez tout ce qu'il y a. C'est un truc de fou. Donc, je vais vous les montrer. Donc, en fait, on a un assortiment de die cuts de la collection Turn the Page. Donc, par Pink Paisley. Et un assortiment de die cuts de Vicky Boutin, la collection All the Good Things. Donc vous allez voir, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est trop trop beau. Et ces couleurs, je sais pas vous, mais moi ça me fait un bien fou. Parce que là, ça y est, on arrive, on arrive fin février et ça commence à être dur dur. On a hâte que les beaux jours arrivent. Ça, c'est trop joli. De toute façon, Polaroid, les couleurs, elles sont superbes. Elles sont superbes, superbes, superbes. Vous voyez, c'est en foil rose gold. Et petite plume un peu style aquarelle. Une jarre. Vous voyez tout ce qu'il y a, c'est énorme. C'est énorme. Ah, celle-là, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait vraiment un peu esprit vieilli. J'adore. Un peu, vous voyez, un peu jauni le papier. Et donc, on va finir avec deux papiers de 30,5 sur 30,5. Donc, le premier, donc c'est un papier voilà de chez Crepe Paper de la collection Good Vibes. Donc la feuille, c'est la feuille avec les cartes PL, So Chill. Et au dos, on est sur du rayé comme ça, vert. Et en seconde feuille, donc on a une feuille de la collection Hazelwood, One Canoe Two. Donc c'est feuille carte PL d'un côté. Vous voyez, c'est un peu esprit bohème, hein. C'est super joli. Regardez les papillons, un peu style aquarelle. C'est vraiment très très beau. Et derrière, on est sur un motif pied de poule. Dans les teintes bleu foncé et bleu... c'est pas turquoise, c'est pas bleu canard. Enfin, je sais pas trop comment décrire. C'est entre le bleu canard et le bleu turquoise en fait. Voilà. Donc voilà pour ce superbe kit. Le kit du mois de mars, spécial planeur du site dans mes pochettes. J'ai vraiment hâte de m'atteler à la tâche et de vous montrer ce que je vais faire avec ces petites merveilles. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller sur le site de Perrine, il lui reste encore quelques kits.
Donc ce sera avec plaisir que je pourrai voir aussi donc vos créations avec ces jolies choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!